Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Riton, non? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien sur votre insabiteur Ritor. Voilà, j'espère que ça va ici. Quelles sont les nouvelles sur YouTube? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis venu parler de Baby Philippe dans cette vidéo-là. Voilà, c'est de Baby Philippe qui s'agit dans cette vidéo. Donc, je sais pas, affairez-moi un peu en commentaire de quoi il s'agit actuellement sur YouTube. Apparemment, il paraît qu'on m'a clashé. Yeah, franchement, on m'a vraiment clashé. J'ai été clashé. J'ai été clashé. Ok. Ce que j'aimerais souligner, c'est que moi, je ne réponds pas au coup de pied de l'âne. Il y a eu quelque chose, j'ai réagi, mais apparemment, les gens ont mal pris. Donc, je m'en excuse. Mais ça va s'arrêter là. Voilà. Apparemment, je ne pensais pas qu'on pouvait me prendre comme adversaire. C'est que je compte aussi. C'est que je fais peur aussi. Voilà. Et puis, à toute ma grande famille, je vais parler de ma grande famille, Irriton Recherche TV. Ne vous inquiétez pas, on est de plus en plus nombreux. J'ai caché mes abonnés juste pour des raisons personnelles, parce que ça me plaît en fait. Voilà, c'est tout. Voilà. Je vais les dévoiler quand j'en aurai envie. Donc, continuez de vous abonner, continuez de partager mes vidéos, continuez de m'encourager. Une chose est sûre, c'est quoi, vous savez c'est quoi ma satisfaction dans cette petite histoire de quelques jours là? C'est qu'au moins un empire a reconnu qu'il y a un petit royaume qui existe. C'est cela ma satisfaction. Et Dieu merci, ce petit royaume là, apparemment secoué, ce soi-disant empire là. Donc moi je m'arrête là. Les clashs c'est pas mon truc. Voilà, je répète encore, les clashs c'est pas mon truc. Un individu lambda est venu manquer de respect à mon artiste de Bordeaux, Likoufa, que je réagis, ça fait de moi un clasheur. Bon, là, c'est vous qui voyez, hein. Mais bref, c'est pas de ça qu'il s'agit. Oh, je vais pas m'attarder, j'ai déjà passé combien de minutes là? 2 minutes à vouloir parler de. Oh, franchement, franchement. Mais franchement, la personne m'a clashé, hein, m'a clashé. Ça m'a fait plaisir, au moins ça m'a donné un peu de cote, un peu de visibilité. C'est déjà bon, voilà. C'est la sagesse qui va parler maintenant. En tout cas, vous avez gagné. Vous êtes des vrais clashers. Moi, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas tenir. Donc, je vous tire le chapeau. Vous avez gagné. Bref, Baby Philippe. Vous savez, regardez bien la vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vais vous mettre une séquence d'arrangement de Baby Philippe. Pour comprendre combien de fois Baby Philippe, il est hors du commun. C'est un surdoué de l'arrangement. Je vous le dis, hein, un gars comme Baby Philippe, si Baby Philippe était aux États-Unis, il serait devenu, je vais dire, dans toute cette période, depuis qu'on connaît Baby Philippe, depuis son temps d'arrangement jusqu'à aujourd'hui, il serait devenu multimillionnaire en dollars. Parce qu'il est sérieusement fort. Ce qui me plaît, c'est vrai qu'il est en grief avec notre Didier Arafat. Mais Didier Arafat, dans son fond intérieur, il sait que Baby Philippe, il est dangereux. C'est juste que Baby Philippe fait des choses qui l'énervent. Donc il est obligé de réagir au pif et dire qu'il s'en fout de lui, que c'est lui le numéro 1 des arrangeurs. Sinon, actuellement, en 2018, là, franchement, si on veut appeler noir, noir ou rouge, rouge, Baby Philippe est le meilleur de sa génération actuellement où on parle. Tu vas demander à un artiste comme Kedjivara qui arrange ses sons. Pour lui, c'est qui le meilleur arrangement, arrangeur de leur génération? Il va même pas hésiter et te sortir Baby Philippe. Tu vas demander même à Shadow Chris, il va dire. Shadow Chris, c'est un super arrangeur aussi celui-là. C'est un super, super arrangeur. Mais Shadow Chris n'a pas les couilles de dire qui peut rivaliser en arrangement avec Baby Philippe. Honnêtement, on peut fustiger Baby Philippe, on peut lui envoyer des pics. On peut même dire au niveau artistique, il est nul, ivoirien. Mais franchement, si c'est arrangement, il est dangereux. Il est fort. Il est très fort. Peut-être beaucoup l'ignorent, mais Baby Philippe à lui seul représente près de 70% des hits coupés décalés. Je ne parle pas de. Il représente près de 70% du coupé décalé. Hein. J'ai dit, il représente près de 70% des hits coupés décalés, les amis. Donc c'est quelqu'un à respecter. C'est quelqu'un à féliciter. On doit lui rendre un vibrant hommage. Laissons son caractère, laissons son orgueil de ne pas vouloir arranger Didier Arafat. Puis reconnaissons son talent. Le petit, il est fort. Et ce qui me fait plaisir, il a Abidji comme moi. Donc les Abidji aussi savent faire de bonnes choses. Voilà. Tchoukou, tchoukou, Kitevara, c'était Bébé Philippe. Les premiers hits de Kitevara, c'était Bébé Philippe. Koukoubaka Batio, Bébé Philippe.
Hello, et DJ Mix Bobraba, Baby Philippe. Bongo, DJ Arafat Fit de Bordeaux, Baby Philippe. American Soldier, Baby Philippe. Célébration, Baby Philippe. Aperifti Nyamon qui dit, Baby Philippe. Même en Zouglou, il fait des hits. Le jeune groupe, comment il s'appelle déjà? Révolution. Baby Philippe. Je ne bois plus haut. Et ce fut le vrai hit du groupe Le Révolution. Qui les a vraiment lancés, c'était la touche Baby Philippe. Le groupe Bénédiction, Baby Philippe. Magique des ailes, Baby Philippe. Enfin, mais je ne peux pas citer tout. Kérosène qui était dans le noir, qui ne se retrouvait même pas, qui cartonne actuellement, c'est grâce à qui? Son talent et au doigté magique de Baby Philippe. Il faut respecter les gens qui sont forts, il faut respecter les gens qui ont du talent, il faut respecter les gens qui sont surdoués dans le domaine. Baby Philippe, c'est un surdoué de l'arrangement. La Chine, j'ai pas envie de vous frustrer, hein. Voilà, mais je vous donne vraiment mon avis. D'abord, c'est mon arrangement préféré au niveau des arrangements en Côte d'Ivoire. Et puis franchement, si on veut être honnête, si on veut être franc, si on veut être vrai, il n'y a pas arrangé pour lui actuellement. Je ne dis pas que les autres arrangés ne valent rien, c'est pas ce que je dis. Mais dans tout domaine, il y a toujours un best. Il y a toujours un premier. Et ce premier actuellement, là, c'est Baby Philippe. Enlever les hits de Baby Philippe dans le coupé décalé. Je ne parle pas des hits qui lui appartiennent. Je parle des hits qu'il a créés dans un studio d'enregistrement avec un artiste. Enlever ça dans le coupé décalé. Vous allez voir à quoi ressemble le coupé décalé. C'est quelqu'un à féliciter. Hein. C'est pourquoi, moi, quand je vois un gars comme DJ Arafat s'obstiner à vouloir créer un froid entre lui et Baby Philippe, moi, j'ai mal. Pour le talent que DJ Arafat a. Pour le talent que DJ Arafat a. Et puis, il est bon arrangé. Puis, ce qu'il dit, c'est pas faux. Quand il dit que ce sont ses arrangements qui lui ont donné tous ses prix, c'est effectivement vrai. Il fait pas de mauvais arrangements. Mais lui-même, il sait au fond de lui que Baby Philippe, il est super, hyper fort. Il a déjà dit dans plusieurs de ses vidéos, sans s'en rendre compte. Voilà, j'ai pas envie de prendre cette vidéo pour revenir encore pour dire que bon, il est en train de se contredire. C'est pas ça. C'est pas ça l'objectif de ma vidéo. L'objectif de la vidéo, c'est de d'abord montrer le talent grandiose de Baby Philippe. Et par cela, envoyer un message à DJ Arafat pour dire, c'est vrai, tu es le numéro 1 du coupé décalé. D'accord. Mais fais preuve souvent d'humilité. Fais seulement preuve d'humilité. Et tu vas percer encore plus. Baby Philippe, il paraît qu'il n'est pas aussi compliqué que ça, hein. C'est ton pas seulement qui l'attend. C'est toi seulement qui l'attend pour tout changer, pour tout arranger. N'essaie même pas de te comparer à Baby Philippe. Tu es fort dans ton domaine, on sait. Tu es aussi fort en arrangement. Mais actuellement, là, votre boss, dans l'arrangement, c'est Baby Philippe. Et sans vouloir te vexer, DJ Arafat, quand il dit comme ça qu'il fabrique le numéro 1, c'est pas faux. Quand tu te comparais à des Bordeaux et tu le classais souvent numéro 2 derrière toi, ou bien soit ex aequo là, c'est pas quelqu'un d'autre qui faisait ses arrangements, hein. C'est Baby Philippe qui faisait ses arrangements. Il faut reconnaître que le petit, il est fort. Il est fort, il est sérieusement fort. Il faut le lui reconnaître. Il faut vraiment le lui reconnaître. J'ai rien à dire, hein. J'ai rien à dire. Mais je suis venu faire cette vidéo-là pour rendre un hommage, un vrai hommage à Baby Philippe, parce qu'il le mérite amplement. Il a ses défauts, mais il est fort. C'était la vidéo du jour. Si elle vous a plu, partagez-la, commentez-la, et sachez que je suis là. Voilà, toujours présent. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui fait notre parole, on est ensemble. Et puis, j'avais oublié, pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à actuellement, je vous laisse une petite démo de Baby Philippe. Ciao, ciao les amis. Continue the strings.